Mesdames et messieurs, ce soir, notre périple débute à Tripoli, à l'été 88, 1688. La flotte de Louis XIV a bombardé la ville 3 ans auparavant pour lutter contre les pirates barbaresques. Et le pacha de Tripoli a proposé de payer la rançon en nature avec le fabuleux marbre des ruines de Leptis Magna, situé à Al-Kums, dans l'actuelle Libye. Le consul de France, Claude Lemaire, se rend alors sur ce site romain et pour le compte du roi de France, y prélève plusieurs dizaines de colonnes. Celles-ci sont ensuite employées dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, puis transférées pendant la Révolution française dans la galerie des peintures du Louvre, où elles ne se trouvent plus aujourd'hui. Ainsi, dès sa fondation, le musée du Louvre récupère indirectement, puis directement, des vestiges archéologiques provenant des quatre coins du monde. Certes, le Louvre est d'abord un musée des beaux-arts, héritier des collections royales, qui se doit d'accueillir les modèles gréco-romains de la Renaissance et les chefs-d'œuvre de la peinture européenne. Le Louvre devient véritablement un musée d'archéologie, avec Jean-François Champollion, qui le dote en 1826 d'une division des monuments égyptiens. Les quatre salles de ce musée égyptien révolutionnent la scénographie en présentant les œuvres dans leur contexte historique. Les savants s'accordent alors sur le rôle de berceau de la civilisation occidentale joué par l'Égypte ancienne. Ensuite, l'essor dans les années 1840 des fouilles dans le nord de l'Irak, à Khorsabad, notamment par Paul-Émile Botta, rouvre le débat sur les origines de la civilisation, la Mésopotamie disputant désormais la primauté à l'Égypte ancienne. Ce nouveau statut de l'assyriologie est consacré par la création du musée assyrien du Louvre, ouvert le 1er mai 1847. Dès lors, le Louvre devient l'instance de définition, de délimitation et donc de hiérarchisation des grandes civilisations de l'Antiquité. Les mondes grecs, romains, égyptiens, assyriens constituent dans l'esprit des contemporains les différents éléments de la matrice biblique et culturelle de l'Occident. Les plus anciennes civilisations de l'histoire de l'humanité sont enfin assemblées sous le même toit dans la capitale française. En cette fin des années 1840, le Louvre dirige sa curiosité vers deux autres régions de l'Antiquité, l'Algérie et le Mexique. Un homme semble alors jouer un rôle déterminant, transformant le Louvre en véritable laboratoire de l'archéologie comparée, c'est Adrien Prévost de Lomperrier, à la fois directeur du musée algérien et fondateur du musée mexicain. Le Louvre devient, à partir du milieu du XIXe siècle, le cœur battant de la science archéologique, l'institution d'où partent les projets de fouilles et où affluent les artefacts du monde entier. Il nous faut débuter l'enquête dans le sous-sol même, là où se trouvent les vestiges archéologiques. Il nous faut partir du terrain, là où officient les hommes, militaires, diplomates, savants, marchands, ouvriers, qui réunissent ces vestiges en véritable collection. Ces fouilles et les découvertes qui en résultent brouillent la frontière des civilisations dites classiques. Elles chamboulent les chronologies établies avant d'être insérées progressivement dans la hiérarchie des arts et des civilisations exposées ou non au sein des galeries du Louvre. Idéalement, il conviendrait de retracer l'itinéraire de chaque artefact. Il faudrait interroger la contingence de chaque trouvaille. Pourquoi ce tesson et pas un autre? Pourquoi fouiller ici et pas ailleurs?
Il faudrait ensuite étudier les diverses opérations de sélection, de destruction, d'intégration dans les collections privées et publiques, jusqu'à la présentation dans les vitrines du Louvre. Cette étude de la provenance permet d'inclure la parenthèse muséale dans l'histoire longue des objets, c'est-à-dire dans l'histoire des sociétés et des cultures qui les ont produits. La géographie de ces grandes campagnes de fouilles dessine dans les couloirs du Louvre les frontières de l'empire colonial, mais aussi de l'empire informel de la France. En effet, le musée anticipe ou bien accompagne l'expansion politique, économique et militaire française en Algérie, puis au Mexique et enfin au Cambodge. Nous allons essayer de comprendre ce soir comment l'archéologie française au XIXe siècle fut ainsi à la fois impériale et disruptive, faisant exploser la notion même d'antiquité. Sur le terrain, quelque chose a changé en ce début de XIXe siècle. Auparavant, les antiquaires se contentaient de piller les sites archéologiques afin de rapporter en Europe le plus grand nombre de belles pièces. Si l'archéologie conserve cette dimension prédatrice, elle se pare désormais d'une authentique ambition scientifique. Il convient en effet d'étudier ces œuvres en prenant soin de restituer le contexte des trouvailles et la stratigraphie qui permet dès lors de déduire l'âge de chaque artefact en fonction de la profondeur de leur enfouissement. À partir des années 1830, notamment sur le terrain algérien, les sciences épigraphiques et archéologiques suscitent de plus en plus d'intérêt au sein de l'armée française. En effet, l'archéologie fournit des informations très utiles pour le recueil des données cartographiques, le contrôle et l'aménagement du territoire. Cette pratique scientifique devient même l'apanage des militaires qui administrent par ailleurs de manière très brutale le territoire algérien en ce milieu du XIXe siècle. Alors que l'Algérie se transforme en un véritable enfer pour une grande partie des populations locales, la colonie devient une sorte d'Eldorado pour les militaires français en quête de promotion sociale spectaculaire. D'ailleurs, le ministère de la guerre exclut les savants civils du territoire algérien jusqu'en 1839. Les officiers, notamment les polytechniciens et les Saint-Cyriens, s'investissent activement dans la recherche archéologique. Ils possèdent à la fois une connaissance du latin, indispensable au déchiffrement des inscriptions, et puis une maîtrise du dessin et des savoirs scientifiques, le calcul mathématique, la géodésie, la topographie. Mais ces officiers se focalisent sur certains vestiges archéologiques, les plus visibles et les plus pertinents selon leur vision de l'histoire de l'humanité, à savoir les ruines romaines, aux dépens des monuments préhistoriques, des monuments puniques, byzantins, islamiques ou ottomans, considérés comme beaucoup moins intéressants, quasi barbares. L'archéologie devient un passe-temps, voire un éthos pour certains officiers qui découvrent les sites, les fouilles, les dessinent, traduisent des inscriptions, dressent des cartes topographiques représentant ces vestiges antiques. En 1845, le gouverneur général Bugeaud nomme inspecteur général des structures civiles d'Algérie Charles Texier, qui, sans moyens financiers et humains, s'avère incapable de protéger ce patrimoine ancien. Se perpétuent alors les mauvaises pratiques d'une grande partie des soldats français qui remploient les pierres taillées des sites romains pour bâtir des routes, des fortifications ou encore des maisons. À Cherchel, par exemple, les militaires utilisent les pierres du théâtre romain pour bâtir des casernes. Alors, comment expliquer la fascination qu'exercent les ruines romaines sur les officiers français de l'autre côté de la Méditerranée ? Ces militaires en font un usage à la fois savant et idéologique. Il s'agit de dresser des cartes qui mentionnent très souvent les ruines romaines pour s'approprier le territoire et de prélever des artefacts archéologiques pour s'approprier le passé. Ces descendants des Gaulois, qui auraient pu se comparer aux Berbères romanisés comme eux, préfèrent s'identifier aux prestigieux prédécesseurs romains, auteurs présumés de ces œuvres artistiques et monumentales au 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, en Algérie. Ces œuvres constituent pour les colonisateurs un répertoire de bonnes pratiques à imiter.
Ainsi, revendiquer la filiation avec de prétendus ancêtres romains permet de se distinguer des populations arabes qui seraient arrivées sur place à partir du 7e siècle de notre ère. Par le truchement de ces vieilles pierres révélées par la science archéologique, la France se métamorphose en Nouvelle Rome, comme l'indique en 1850 l'épigraphiste Léon Renier qui conduit durant plusieurs mois une fouille de l'ancien camp militaire de Lambèze dans les Aurès, représenté sur cette vue à l'écran. Léon Renier raconte « Les monuments romains, les inscriptions surtout, sont aux yeux des Arabes notre titre le plus légitime à la possession de l'Algérie. Pendant mon séjour à Zana, si Mohamed Bokarana, cheikh du pays et marabout vénéré, vint un jour me trouver au milieu des ruines. Je copiais une inscription. « Tu comprends donc cette écriture ?» me dit-il. « Non seulement je la comprends, lui répondis-je, mais je l'écris. Regarde, ce sont nos lettres, c'est notre langue. »« C'est vrai, » reprit le cheikh en s'adressant aux Arabes qui l'accompagnaient. « Les Roumis, les chrétiens, sont les fils des Romains. Lorsqu'ils ont pris ce pays, ils n'ont fait que reprendre le bien de leur père. » Pour ces savants français, l'archéologie fonde historiquement le droit de la France à coloniser le Maghreb. En conséquence, les officiers français érigent les reliques romaines, colonnes, mosaïques, statues, inscriptions, bornes, monnaies, médailles, en véritable icône de l'entreprise coloniale. Et pour justifier la présence française, ils affirment sauver ces monuments qui auraient été négligés, voire abîmés par les populations autochtones. En fait, il suffit d'examiner les sources arabes pour constater l'ancienneté de l'intérêt autochtone pour ces vestiges. Ainsi, le théâtre romain de Carthage suscite dès le XIIe siècle l'admiration des géographes al-Bakri et al-Idrissi. Tandis que l'aqueduc de Carthage et les monuments de Cherchel retiennent tout l'intérêt d'Ibn Khaldoun. Au sein de cette armée d'Afrique, un homme perçoit très vite l'immense potentiel politique et symbolique de ces débris enfouis. Son nom est Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, fils aîné du roi des Français Louis-Philippe. Au début de la conquête, il incarne parfaitement la figure de l'officier fouilleur et découvreur. À Djémila, fin octobre 1839, entouré de plusieurs soldats dessinateurs et d'officiers archéologues, c'est ainsi qu'on les dénomme, il parcourt un champ de colonnes de granit et de sculptures et décrit ainsi la scène. « Je choisis deux chapiteaux, deux médailles qu'un soldat vient de déterrer et une colonne dont le bout seul sort pour qu'on me les envoie à Paris. J'indique l'endroit où je veux que l'on gratte la terre pour m'y trouver encore quelque objet. » Et avec le talon de ma botte, je découvre une mosaïque qui n'avait pas encore été remarquée. En me retournant une dernière fois pour voir ce beau coup d'œil, j'aperçois un marabout arabe disant son chapelet sur un fût de colonne romaine. Et si j'étais poète, je dirais que son burnous est le voile de la barbarie jeté sur la civilisation. Ferdinand Philippe élabore un projet ambitieux pour que la magnificence de l'archéologie romaine rejaillisse directement sur la France. Il veut transporter en face du Louvre, aux Tuileries, un arc de triomphe de Djémila. Vous pouvez le voir à l'écran. Cet arc de triomphe de Djémila aurait pris place en face de l'arc de triomphe du Carrousel, inauguré par Napoléon en 1810 afin de célébrer la victoire d'Austerlitz. Il s'agirait là, selon lui, du plus beau des trophées, d'un des plus grands événements du siècle, la conquête militaire de l'Afrique. Il entend même customiser cet arc romain en y inscrivant la formule suivante « L'armée d'Afrique à la France ». L'entreprise est finalement abandonnée après la mort accidentelle du duc d'Orléans, mais un quart de siècle plus tard, Napoléon III réactive cette geste du prince archéologue en visitant, début juin 1865, les vestiges du camp romain de Lambèze. Sur place, il exige qu'on transfère au Louvre des fragments de la statue colossale de ce qu'on pense être Jupiter. Revenons aux campagnes de fouilles décisives de l'automne 1839. Débarquent alors en Algérie les membres de la commission d'exploration scientifique constitué par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Au sein de cette mission figurent deux acteurs essentiels. Le capitaine d'artillerie Alphonse de Lamarre, ancien élève de l'école polytechnique, très doué pour le dessin, et son acolyte, l'architecte Amable Ravoisier, expert dans la technique des relevés de monuments. Les deux hommes parcourent les sites romains à travers la colonie et interviennent durant l'été 1842 près de Constantine, sur la colline de Koudiatati, où les soldats français, en effectuant des travaux de défrichement, ont dévoilé les vestiges d'une grande villa romaine. Dans la salle la plus vaste, se trouve au sol cette immense mosaïque de 4 mètres sur 2 mètres, représentant la scène mythique de Neptune sauvant Amphitrite. Le capitaine de Lamarre souligne les dégâts causés par les visiteurs déambulant sur la mosaïque pour mieux justifier son transfert au Louvre. Mais son extraction et son transport s'avèrent extrêmement complexes. L'affaire, sous la direction de Delamarre, prend plusieurs années. Une technique inédite de décollement, puis de disposition sur un immense châssis en bois, est sans doute utilisée pour la première fois à cette occasion. Cette œuvre, accompagnée de 343 caisses de pièces archéologiques, pesant en tout 70 tonnes, arrive au Louvre en août 1845. Ces pièces archéologiques doivent rejoindre le tout nouveau musée algérien du Louvre, dont le journal satirique Le Charivari annonce l'inauguration en ces termes. Le musée algérien ne contiendra pas seulement des objets antiques. Toutes les curiosités que l'on remarque en Afrique y trouveront place. On y verra des pastilles du sérail fabriquées au commencement de l'Égypte, le couscoussou trouvé dans la tente d'Abdelkader lors de la prise de la Smala par le duc d'Aumale. Ce glorieux trophée est dans un parfait état de conservation. On y trouvera également trois poils de la barbe d'arrière-dent Barberousse, un dé d'Alger du XVIe siècle, des poils retrouvés parmi les trésors de la Casbah d'Alger. On y trouvera également le cure-dent dont Abdelkader se servit à son premier repas après le traité de la Tafna. Et le journaliste du Charivari poursuit en moquant le goût des Français pour les trophées en tout genre, attribués aux nombreux chefs arabes qui ont résisté à la conquête coloniale. Trouveront ainsi leur place dans le nouveau musée du Louvre les pantoufles de Ben Salem, la pipe de Sidi Mbarek, le chapelet d'Ahmed Bey, 15 pots de pâte épilatoire ayant servi aux femmes de Ben Aïssa, le lacet avec lequel on étranglait les dés d'Alger, et bien sûr l'éventail dont se servit Hussein pour souffléter notre consul. Tous ces objets sont en route pour Paris. Le gouvernement a longtemps hésité s'il ne les ferait pas transporter aux Invalides pour les ranger à côté des glorieux trophées de la République et de l'Empire, mais la crainte de mécontenter M. Bugeaud a prévalu. Les pastilles du sérail contemporaine de Mahomet, le couscoussou de la femme d'Abdelkader et les trois poils d'Ariandan Barberousse feront donc partie du musée algérien. On construit en ce moment un minaret à côté des cheminées du Louvre pour annoncer aux croyants l'heure de l'ouverture et de la fermeture du musée. C'est un invalide qui a été nommé Mouezzin. Alors en fait, au risque de vous décevoir, la collection de ce nouveau musée s'avère beaucoup moins hétéroclite. Cette galerie d'Alger, fondée par Louis-Philippe, sur proposition du ministre de la Guerre, accueille d'abord presque exclusivement des pièces archéologiques romaines. Du sous-sol algérien à la rive droite de la Seine, ces œuvres s'insèrent directement dans un musée pensé comme le prolongement naturel de la fouille. Cette vision impériale inspire la circulaire du gouverneur général de l'Algérie, Bugeaud, qui dès fin août 1845 demande à tous les commandants de province et aux officiers d'identifier toutes les pièces dignes d'être transportées au Louvre. L'ampleur du projet de collecte proposé par Bugeaud s'est en fait considérablement rétrécie dans les couloirs du Louvre. Et là encore, le Charivari moque cette circulaire qui enjoint à chaque officier, sous-officier, soldat et trompette de l'armée d'Afrique de marcher constamment les yeux baissés et de ramasser toutes les pierres qu'ils trouveront sur leur chemin. De leur côté, les conservateurs du Louvre estiment que l'immense majorité des pièces archéologiques rapportées par le capitaine de Lamarre ne sont pas dignes d'entrer au musée. Ainsi, il sélectionne quelques bas-reliefs, des mosaïques, dont celle de Neptune et Amphitrite, des stèles dédiées à Saturne, ainsi que sept pierres funéraires portant des inscriptions puniques.
Ces objets sont exposés dans une petite galerie en face de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, dans ce musée algérien, officiellement inauguré fin décembre 1847, au même moment que la réouverture du musée assyrien. Vous pouvez contempler sur l'écran la seule description aujourd'hui connue de ce musée algérien. Des gravures retrouvées il y a à peine un mois dans un journal britannique par Laurence Martin-Brenner et Isabelle de Cisse, que je remercie. En haut, à gauche de l'écran, vous pouvez identifier au centre de la gravure le chef-d'œuvre du musée, la mosaïque de Neptune et Amphitrite, tandis que sur la gravure de droite, on distingue au milieu des vestiges romains plusieurs monuments islamiques. Le roi Louis-Philippe en personne a choisi l'emplacement du musée algérien à côté du musée égyptien. Il s'agit de rendre hommage à son fils, le duc d'Orléans, en comparant explicitement la conquête de l'Algérie à la campagne d'Égypte de Bonaparte. La presse souligne également la vocation comparatiste de cette nouvelle institution qui met en regard, je cite, « l'art de l'Afrique orientale, abandonné à son seul génie, et l'art de l'Afrique occidentale, civilisée par Rome. » Très rapidement, le musée réceptionne de nombreuses cargaisons archéologiques, et à la fin du XIXe siècle, le Louvre compte au total 259 pièces archéologiques découvertes en Algérie, 112 en Tunisie, 14 en Libye et une pièce au Maroc. On sait peu de choses du devenir de ce musée, excepté qu'il suscite d'emblée de vives critiques. Dès sa création en 1845, des voix s'élèvent pour demander que certaines pièces demeurent en Algérie où de nombreux petits musées peuvent accueillir ces collections. À commencer par le premier d'entre eux, le musée bibliothèque d'Alger, fondé en 1835 par l'archéologue Adrien Berbruguet, qui refuse le transfert massif des pièces vers la métropole. Considérant, je cite, que l'Algérie, devenue ainsi une terre française, ne devrait cependant pas être dépouillée de ses richesses archéologiques. Adrien Berbruguet tente de profiter de sa fonction d'inspecteur général des monuments historiques de l'Algérie pour centraliser à Alger, dans la capitale de la colonie, les principales pièces archéologiques, en incluant les monuments indigènes et les objets d'art arabe, contrairement au Louvre. Toutefois, à la fin du siècle, ce petit musée d'Alger, faute de moyens, ressemble toujours à un obscur dépôt où les antiquités s'entassent pêle-mêle. Les acteurs de terrain proposent dès le début de la colonisation une autre stratégie muséale, inspirée notamment de quatre maires de Quincy. Ils fondent des musées dans les principales villes d'Algérie, à Cherchel en 1844, à Constantine en 1853 et à Philippeville en 1859, pour accueillir ces vestiges romains donnés par des fouilleurs militaires, des savants, des amateurs européens, mais aussi des notables arabes. Il s'agit d'encourager l'émulation entre les différentes provinces de la colonie qui doivent donner à voir leurs richesses patrimoniales respectives. Ce principe de la conservation in situ est défendu par nombre d'élus et de colons, à l'instar des habitants européens de Cherchel, qui, en décembre 1856, adressent une pétition au gouvernement d'Alger pour s'opposer au transfert des collections municipales à Paris et même à Alger. Les colons obtiennent juridiquement gain de cause avec la circulaire de 1858 qui dispose que chaque localité doit conserver les monuments relatifs à son histoire particulière. Ces nouvelles institutions doivent instruire non pas les populations musulmanes, mais les Européens d'Algérie en favorisant l'acculturation et l'union des Espagnols, des Maltais, des Siciliens et des Italiens. Mais la plupart du temps, ces musées de sites se révèlent être également de simples dépôts mal entretenus, peu ou pas accessibles au public. Les élites autochtones condamnent elles aussi, mais cette fois de manière plus radicale, ces prédations. Elles peuvent se référer à une première législation officielle qui, dès 1869, protège les antiquités dans l'Empire ottoman. De nouvelles lois, dans les années 1870-1880, tentent d'interdire l'exportation de vestiges archéologiques, tout en fondant de nouveaux musées, des musées d'antiquités à Istanbul, par exemple, en 1869, ou encore à Carthage, en 1875.
À Paris, au sein même du Louvre, certains contestent la présence de pièces considérées comme indignes du musée. Et cela alors que plusieurs pièces impressionnantes enrichissent le musée, à l'instar de cette tête colossale de Lucilla ou encore d'un buste de Jupiter offert par le bey de Tunis. En effet, il semble qu'une fois déplacées à Paris, ces œuvres perdent aux yeux des conservateurs et peut-être même aux yeux du public le sens que leur confèrent en Algérie les archéologues de terrain. Ces preuves de l'œuvre civilisatrice et de la grandeur de Rome et de la France ne convainquent pas ceux qui estiment que le critère esthétique doit prévaloir sur les questions historiques et politiques. Les tensions entre conservateurs parisiens et savants de terrain prennent parfois la forme de la controverse savante. Ainsi, dès novembre 1848, dans la très sérieuse Revue archéologique, le docteur Judas, officiant à Constantine, estime que le musée algérien du Louvre n'est pas du tout à la hauteur du projet initial du capitaine de Lamarre. Écoutons-le. Les objets recueillis à si grand-peine par monsieur le commandant de Lamarre pour servir de noyau à ce musée, après avoir été exposés un jour, je crois, dans un endroit étroit où l'on n'arrivait qu'après un long circuit dans plusieurs galeries supérieures, ces objets sont de nouveau sous le séquestre depuis environ 8 mois. Je ne sais au surplus si l'on doit le regretter, car cette exhibition n'était guère propre à nous faire honneur, tant ont été grands la négligence, le dédain qui y ont présidé. Le docteur Judas conclut son propos par des mots très durs à l'endroit des conservateurs du Louvre, en affirmant qu'en dépit de son inauguration 1 an plus tôt, le musée algérien n'existe pas véritablement. Et que dans ces conditions, il vaut mieux laisser les vestiges in situ. Restez donc relégués dans votre sanctuaire lointain, monument d'une antiquité si digne de nous intéresser. Aucune main profane ne vous y altère, ne vous y outrage. Et si vous ne fixez que rarement l'attention, ce n'est pas que vous soyez dérobés à l'examen. Quand nous aurons un musée algérien, peut-être devra-t-on désirer que vous y veniez prendre une place honorable. Le conservateur des antiques, en charge de ce musée algérien, Adrien de Lomperrier, ne pouvait pas laisser cette attaque sans réponse. Il publie seulement 2 semaines plus tard, dans la Revue archéologique, une lettre qui fait grand bruit. La meilleure défense étant l'attaque, Lomperrier remet en question les compétences scientifiques du docteur Judas et des savants amateurs en général, toujours prompts selon lui à vouloir refourguer au Louvre des pièces sans intérêt, ou pire, des faux objets archéologiques. Que le ciel préserve donc encore longtemps le Louvre de pareils monuments, écrit Lomperrier. Assez de débris sans intérêt, de statues informes sont venus y grossir un musée algérien dans lequel, à part quelques inscriptions instructives, il ne se trouve que 2 bustes, ceux des rois de Mauritanie Jouba II et Ptolémée, qui soient dignes de fixer l'attention. Pourquoi dépouiller les villes d'Afrique de fragments qui n'ont pas de mérite intrinsèque et qui, du moins dans les lieux où ils ont été découverts, servent à constater une antique origine ? Lomperrier en profite donc pour faire le procès en règle de ce nouveau musée dont il regrette la piètre qualité de la collection. Nous nous trouvons donc pour la première fois sans doute dans l'histoire du Louvre à front renversé dans une controverse où le conservateur du musée critique ses propres collections, tandis que le savant amateur de terrain en prend la défense. À peine 1 mois plus tard, le commandant Delamarre, véritable concepteur du musée algérien, répond directement à Adrien de Lomperrier, cette fois dans une note de bas de page d'un article de cette même revue archéologique. Delamarre admet la faible valeur artistique et la médiocrité d'exécution des fragments de sculptures provenant d'Algérie, mais en historien, il affirme la nécessité scientifique d'étudier l'évolution des arts dans cette ancienne province de l'Empire romain. En outre, il prend soin de rappeler l'importance majeure de la mosaïque de Neptune et Amphitrite, qu'il a lui-même apportée au Louvre, et ajoute que, grâce au musée algérien, le Louvre enrichit pour la première fois ses collections d'inscriptions puniques.
Ce plaidoyer du commandant de la mare ne suffit pas. À la suite de Lomperrier, les conservateurs du Louvre adoptent cette même méfiance à l'égard des trouvailles archéologiques maghrébines, qui pour la plupart ne correspondent pas au canon des antiquités classiques. Songeons par exemple aux artefacts rapportés par le père Delattre des tombes de Carthage à la suite des fouilles menées en 1904. Sa proposition de don est déclinée par les conservateurs du Louvre, qui reprennent à leur compte les anciennes critiques romaines à l'encontre de Carthage. Cette hostilité suscitée par le musée algérien au sein même du Louvre explique sans doute sa fermeture officielle en 1895. Le jeune chercheur Barthélemy Glama est en train d'élucider, en ce moment même dans les archives du Louvre, le mystère de ce musée qui apparaît, disparaît, avant de réapparaître tout au long des années 1850-1870. Si le musée algérien ferme, ses collections continuent dans le même temps à s'enrichir, au fur et à mesure de l'expansion coloniale. Ainsi, par exemple, en 1881, au lendemain de l'occupation militaire de Tunis et de l'établissement du protectorat français sur la Tunisie, Maurice d'Hirisson lance des fouilles sur le site phénicien d'Utique. Il exposera le résultat de ses recherches au Louvre dès l'automne 1881. Traversons maintenant l'Atlantique pour retrouver les origines de l'autre musée archéologique disparu du Louvre. Tout commence en 1805, en Nouvelle-Espagne, cette vice-royauté de la monarchie espagnole dont est issu le Mexique contemporain. Sur place, une mission savante est chargée par le roi d'Espagne Charles IV d'inventorier, de décrire, de dessiner et d'étudier le patrimoine local antérieur à la conquête coloniale. Guillermo Dupex, un officier qui a voyagé en Grèce et en Italie, dirige cette expédition et s'entoure du dessinateur José Luciano Castañeda, ainsi que de 3 soldats. Afin de laisser les artefacts in situ, il réalise 140 dessins au cours de 3 expéditions, entrecoupés de séjours à Mexico pour élaborer les œuvres définitives à partir de ces esquisses dessinées sur le terrain. Vous pouvez voir ici un des dessins de Guillermo Dupex. Guillermo Dupex qui meurt en juin 1817 après avoir achevé tous les dessins, d'avoir achevé tous les dessins promis au gouvernement de la couronne espagnole. Alors comment ces quelques dessins réalisés au Mexique au début du XIXe siècle ont pu être à l'origine d'un nouveau musée au Louvre? 3 chercheurs, Marie-France Fauvé-Berthelot, Leonardo López Lurán et Susana Guimaraes, ont récemment élucidé ce mystère. Après la disparition de Dupex, le vice-roi de la Nouvelle-Espagne fait récolter en 1818-1819 une grande partie des œuvres identifiées et dessinées par Dupex et Castañeda. Pour alléger le poids et faciliter le transport, les tailleurs de pierre se débarrassent des parties non sculptées. Il s'agit de prélever, sans se soucier du contexte et des propriétaires, car certains de ces monuments étaient intégrés dans les parois des maisons. Ces nombreuses pièces sont d'abord entreposées à Mexico, en attendant d'être transférées en Espagne. Mais l'indépendance du Mexique, qui intervient en septembre 1821, change totalement la donne. Le dessinateur José Luciano Castañeda, s'estimant lésé par son employeur, le gouvernement espagnol, entend se dédommager par ses propres moyens. Et donc, en toute illégalité, il profite du chaos social et du désordre politique pour vendre directement cette collection nationale fin 1824 à un dénommé Latour Allard. C'est un jeune Français qui acquiert les 180 pièces archéologiques, des statues, des sculptures, des bas-reliefs, pour la somme de 70 000 francs, ainsi que les 120 dessins réalisés par Castañeda et Dupex pour 75 000 francs. Notons que l'on accorde alors plus de valeur aux reproductions, les dessins, qu'aux originaux eux-mêmes. Cette vente qui fait beaucoup de bruit semble être à l'origine de la promulgation en novembre 1827 de la loi de protection du patrimoine du Mexique
qui interdit toute sortie d'objets archéologiques du territoire national. De retour en France, la Tour à l'Art s'évertue à faire connaître sa collection pour la vendre au meilleur prix. En l'occurrence, il en veut 200 000 francs. Il pense d'emblée au Louvre et invite le directeur des musées nationaux, le comte de Forbin, à découvrir chez lui sa collection. Auguste de Forbin est séduit par ses idoles en terre cuite et en pierre, par les fragments d'architecture et les ustensiles qui permettent, écrit-il, de comparer les objets d'art des différents peuples et d'en suivre le progrès d'après le degré de leur civilisation. Toutefois, la curiosité éclairée du patron du Louvre est loin d'être partagée par le comte de Turpin de Crissé, qui se trouve être inspecteur général du département des Beaux-Arts à la Maison du Roi. Turpin de Crissé exprime son profond mépris à l'égard de cette collection rapportée par la Tour à l'Art, une collection dénuée de toute valeur artistique. Il écrit « Sous le rapport de l'art, rien n'est plus misérable, plus barbare que ces idoles ou ces simulacres de divinité. Il semble qu'ils sont le fruit de l'imagination la plus sombre et la plus extravagante. » Cette dissension au plus haut niveau conduit le gouvernement à mettre en place une commission savante installée début décembre 1826 et composée notamment de l'égyptologue Champollion et du sinologue Abel Rémusa pour trancher cette question. Ces experts reconnaissent le réel intérêt historique de cette collection sans équivalent en Europe, comportant des œuvres aztèques en grande partie détruites par les colonisateurs espagnols, mais ils concluent que considérés sous le rapport de l'art, ces monuments ne peuvent offrir qu'un médiocre intérêt, étant le produit d'une civilisation naissante ou d'une civilisation devenue stationnaire dès les premiers essais de l'art. Face au refus du Louvre, la Tour à l'Art abaisse le prix de sa collection à 60 000 francs. Mais cela ne suffit pas à convaincre la Maison du Roi, qui, suivant les avis les plus conservateurs, décline tout de même la proposition. En juin 1828, la Tour à l'Art, dans une position financière très délicate, revient vers le comte de Forbin, expliquant qu'il cède sa collection à vil prix, 6 000 francs, alors qu'il en demandait initialement 200 000. Le comte de Forbin préconise à nouveau d'acquérir ses œuvres aztèques qui compléteraient la vingtaine d'objets américains de la collection de Vivant Denon acquise par le Louvre en 1826. Le comte de Forbin est sans doute d'ailleurs au même moment l'auteur d'un rapport anonyme qui suggère la création au Louvre d'un musée des monuments de l'Amérique, finalement abandonné au profit du développement du musée naval. La Maison du Roi refuse une nouvelle fois d'acquérir cette collection américaine. Parallèlement, ces objets rapportés par la Tour à l'Art séduisent progressivement une partie du milieu savant français, à l'instar du Journal des Voyages qui considère en 1827 que ces pièces figureraient avantageusement dans le plus riche musée national. Les objets dits précolombiens font timidement leur apparition dans les salles des ventes en 1832, avec deux vases péruviens d'avant la découverte. Un autre facteur joue un rôle déterminant dans la reconnaissance de ces œuvres. La parution des lithographies reproduisant une partie de la collection de la Tour à l'Art dans le quatrième volume des Antiquities of Mexico de Lord Kingsborough, paru en 1831. Le succès de cet ouvrage illustre en fait un nouveau mouvement général de reproduction et donc de portabilité des antiquités. Dessins, gravures, lithographies, moulages, puis photographies permettent désormais de diffuser ces antiquités, de les valoriser, de susciter de nouveaux travaux savants. Désormais, aux quatre coins de l'Europe, des érudits débattent, non à partir des œuvres elles-mêmes, mais de leur reproduction sur papier. Une ferveur mexicaniste s'empare d'une partie des antiquisants. Mais pour la Tour à l'Art, le temps presse. Et il cède en 1830 sa précieuse collection pour une bouchée de pain à son voisin, un dénommé Melnot, qui tente à son tour, à 7 reprises, de la vendre au Louvre, en 1834, en 1846, en janvier, en mars, en mai 1847 et en mars 1848. La relance du 31 octobre 1849 se révèle décisive.
Il est bon de savoir que la persévérance, voire le harcèlement, peut s'avérer payant avec les musées nationaux. Adrien de Lomperrier parvient finalement à convaincre sa direction d'acquérir pour 6000 francs cette collection. Et voilà constitué le noyau et l'essentiel de la collection du musée mexicain du Louvre. Certes, ce n'est pas la première fois que des objets amérindiens intègrent les collections royales ou nationales. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, une section du cabinet du roi de France est créée sous la houlette d'André Thévé, l'auteur des singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique. Cette collection rassemble des outils, des vêtements, des chaussures et de multiples objets adressés par les explorateurs du Nouveau Monde. Puis, à la fin du XVIIIe siècle, la description du site de Palenque, des ruines de Xochicalco et du monolithe de Coatlicue à Mexico suscite un nouvel intérêt pour l'Antiquité de l'Amérique. C'est l'appréhension de l'Antiquité elle-même comme catégorie générique qui est révolutionnée par ce nouveau musée mexicain inauguré au Louvre le 26 mai 1850. Il se situe dans la petite salle numéro 13, peinte en bleu, au rez-de-chaussée de l'aile nord de la cour carrée. Dès 1851, le musée s'enrichit de nouvelles collections, notamment d'objets amérindiens des Antilles, et prend alors le nom de musée américain. Il accueille alors plus de 1000 objets. Dans les vitrines, des textiles et des objets du Pérou, du Chili et de Bolivie, des haches haïtiennes, des masques de jade, des poteries, des ustensiles, des figurines et des instruments de musique du Mexique entourent des statues disposées sur des socles au centre de la pièce. La collection comprend également des quipus, ces cordelettes de couleurs différentes qui procurent aux Incas, en l'absence d'écriture, un système complexe de comptabilité. Ces quipus fascinent tout particulièrement les journalistes qui y voient les témoins d'une civilisation qui paraît avoir été fort avancée. Le conservateur des antiques, Adrien de Lomperrier, est l'audacieux maître d'œuvre de cette expérience muséale. Sans jamais avoir été aux Amériques, il étudie soigneusement toutes les antiquités, les inventorie, les classe patiemment, expose méticuleusement les objets en fonction de leur provenance géographique, de leurs usages et de leurs matériaux. Il s'agit, en dehors du Mexique, du premier musée d'antiquités américaines dans le monde. Sa seule existence consacre pour un temps les œuvres dites précolombiennes comme antiquités à part entière. Dans l'avant-propos du catalogue du musée mexicain, Lomperrier assume la portée historique de son geste tout en s'appliquant à rassurer la majorité conservatrice. Pour ce faire, il adopte une formule ambiguë. Les antiquités américaines ne sont pas encore classiques, car elles n'égalent ni les œuvres égyptiennes, intimement liées à l'histoire biblique, ni les antiquités grecques et romaines qui appartiennent pleinement au domaine des beaux-arts. Toutefois, ces artefacts américains, par la grâce de leur introduction au Louvre, vont inéluctablement devenir classiques. Le journaliste du siècle Alexandre Privat d'Anglemont définit avec force la révolution induite par l'ouverture du musée mexicain. C'est le triomphe de l'idée moderne, de la science nouvelle sur les représentants de la vieille école académique, écrit-il. Cela ne sera jamais classique pour eux. On ne saurait imaginer la puissance de ce simple mot « classique ». Il y a de quoi décourager de jamais rien entreprendre, rien étudier, qui n'ait été prouvé d'avance par l'une des 5 sections de l'Institut. À quoi servent au juste ces antiquités américaines ? Elles sont indispensables à la compréhension de l'histoire des civilisations. Ainsi, Adrien de Lomperrier, qui possède une connaissance encyclopédique de l'archéologie classique, promeut au Louvre un comparatisme extrêmement large. Il s'inspire d'un autre conservateur du musée, le comte de Clarac, qui, dans les années 1830, voulait exposer les quelques objets américains du Louvre à la suite du musée égyptien, afin de favoriser le croisement des regards. Une espèce de ferveur comparatiste s'empare alors des savants européens.
Ils ne peuvent concevoir l'existence de civilisations anciennes hautement avancées telles les Mayas et les Aztèques qui se seraient développées indépendamment de l'Ancien Monde, indépendamment de l'Égypte, du monde gréco-romain ou des sociétés asiatiques. Ce paradigme diffusionniste prévaut en fait depuis le XVIe siècle et explique le vif intérêt suscité de prime abord par le projet du musée américain. Cette nouvelle méthodologie comparative doit permettre de répondre à une question qui obsède alors les savants, la question de la monogénèse ou de la polygénèse, c'est-à-dire celle de l'unité ou de la pluralité des espèces. Cette question fondamentale pourrait être résolue par l'étude de l'origine des populations amérindiennes. Pour ce faire, les érudits établissent de multiples analogies, homologies, connexions. Pour certains, ces grandes civilisations américaines descendent nécessairement du monde gréco-romain. Dès la fin du XVIIIe siècle, José Antonio Calderón décrit le site monumental de Palenque comme l'œuvre des Romains, car on y retrouve le décor de 2001 caractéristique de l'architecture romaine. Antonio de Rio, un créole de la Nouvelle-Espagne, affine cette hypothèse au cours de son expédition de 1787 en affirmant que des Grecs ou des Romains voyageant en Amérique auraient transmis leurs techniques de construction aux Amérindiens, qui auraient ensuite eux-mêmes bâti ces édifices monumentaux. Autre preuve avancée cette fois par les journalistes à l'occasion de l'ouverture du nouveau musée du Louvre, les Mexicains, comme les Romains, auraient failli inventer l'imprimerie en utilisant des sceaux gravés en relief. Les vases péruviens reprendraient en outre les motifs qui ornementent les poteries des Cyclades et des Étrusques. Enfin, la religion symbolique des Toltèques ressemblerait beaucoup aux pratiques cultuelles grecques et romaines. Adrien de Lomperrier identifie pour sa part une parenté esthétique entre les arts dits précolombiens et l'art chinois, qui partagerait fortuitement peut-être des combinaisons bizarres. Fortuitement peut-être, avec cette formule prudente, le conservateur des antiques préfère ne pas s'avancer sur l'épineuse question d'éventuelles connexions entre les populations asiatiques et amérindiennes. Le publiciste Alexandre Privat d'Anglemont affirme quant à lui que les vases et les étoffes du Pérou s'apparentent directement aux productions japonaises. Il ose convoquer une supposée généalogie nippone des arts américains, je le cite, « Y eut-il à une époque reculée des relations entre l'Extrême-Orient et la côte occidentale de l'Amérique ? Le voisinage est si manifeste que l'on conçoit facilement des barques japonaises entraînées par le courant ou poussées par les vents, abordant au rivage du Mexique et du Pérou. Il est à remarquer en effet que toute la civilisation américaine apparaît sur la côte occidentale. La seule presqu'île du Yucatan prolonge vers l'Orient la série des grands monuments d'architecture congénère à l'art indien. » L'explorateur et antiquaire Jean-Frédéric de Waldeck pense quant à lui avoir prouvé le lien entre la civilisation indo-chinoise et les Mayas. Et Lomperrier, d'ailleurs, prend soin de consulter longuement Waldeck avant l'inauguration du musée mexicain. Nous savons aujourd'hui que Waldeck a embelli, c'est le moins qu'on puisse dire, les ornements du site de Palenque en ajoutant des éléphants sur ses dessins pour étayer sa théorie. D'autres érudits localisent dans l'Asie hindoue ou bouddhiste l'origine des civilisations américaines, à l'instar du baron Gustave d'Eschtal qui, en 1865, présente les ruines d'Angkor au Cambodge comme la source d'inspiration des grandes constructions mexicaines. Toutefois, la plupart des auteurs situent en Égypte l'origine des civilisations amérindiennes. Aux yeux des publicistes, les pyramides, les momies et l'écriture hiéroglyphique semblent constituer un patrimoine commun entre ces deux régions du monde. Certains imaginent même que les anciens navigateurs phéniciens auraient transmis les secrets de la civilisation égyptienne à l'Amérique. Alors, pourquoi exalter avec autant d'ardeur, avec autant d'imagination, ces origines extra-européennes de la civilisation américaine ? Cela offre d'abord la possibilité de démontrer la supériorité de la France.
puissance de déchiffrement des civilisations orientales qui ignorent tout de leur propre passé, aussi prestigieux fut-il. Dès lors, le génie de l'esprit scientifique occidental peut, tel un Deus ex machina, relier deux civilisations extra-européennes, l'Amérique avec l'Égypte, l'Amérique avec l'Asie, à condition que l'Europe demeure maîtresse de ce récit. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour qu'émerge une autre conception de l'histoire américaine. Inspirée notamment par le rapport rédigé en 1841 par Stephens et Catherwood. Un rapport qui, pour la première fois, rompt avec ce paradigme diffusionniste en promouvant la thèse de l'origine indigène de la civilisation maya. L'inauguration du musée mexicain semble susciter un vif intérêt parmi les visiteurs du Louvre. Au point que dans une lettre de mai 1850, Lomperrier recommande son ouverture au public tous les jours de la semaine. Si les visiteurs trouvent leur compte en découvrant des œuvres inconnues jusqu'ici, les experts se montrent plus réticents. Lomperrier reconnaît lui-même la fragilité du classement et de la scénographie, qui tient d'abord au manque de connaissances sur ces pièces archéologiques. Il invite ses pairs à apprendre les langues vernaculaires afin de comparer ses sculptures aux peintures des manuscrits mexicains, afin d'identifier les personnages et les divinités représentées. En outre, la majorité des conservateurs et des historiens de l'art méprisent en fait ces artefacts américains, considérés au mieux comme des curiosités laides et difformes, sans valeur artistique. À l'instar du très conservateur Turpin de Crissé, cité précédemment, il refuse l'existence même du nouveau musée. Et il faut bien admettre que les promoteurs de l'archéologie américaine souscrivent eux aussi à ce quasi-consensus sur la médiocrité esthétique de ces pièces. Ainsi, Alexandre Privat d'Anglemont admet que ces œuvres ne correspondent pas au canon classique. Certes, l'art américain n'est pas beau, écrit-il. Ses lignes ne dessinent rien de très merveilleux. Il a même quelques vagues ressemblances avec la sculpture faite par les enfants. Et les bonhommes taillés avec un couteau sur les pommes de canne par les pâtres jurassiens. Nous n'admirons pas beaucoup ces statuettes de dieux et de caciques américains qui ont le malheur de nous rappeler les fétiches dessinés sur des calebasses par les nègres modernes du Congo et du Cap Lao. Pour le célèbre savant allemand Alexander von Humboldt, cette médiocrité artistique serait le produit des sociétés théocratiques américaines. Seuls les régimes démocratiques tels la Grèce ancienne permettraient de créer de véritables œuvres d'art. Selon Humboldt, les pièces américaines ont tout de même leur place au Louvre, pas en tant qu'œuvres d'art, mais comme source précieuse pour étudier l'histoire précolombienne et la comparer avec les autres histoires anciennes. Au-delà des cercles de spécialistes, les guides de Paris raillent ce musée de sauvagerie dont les pièces ne correspondent pas du tout à l'esthétique classique qui se fonde sur le modèle naturaliste de la juste proportion. Ainsi, le mélange des objets trouble beaucoup l'auteur du guide de Paris. Il nous répugne de voir le Louvre, ce sanctuaire consacré aux plus grandes civilisations, donner asile à des friperies barbares qui intéressent bien plus les archéologues officiels que les artistes. Cette accumulation de prétendues richesses fera bientôt ressembler notre magnifique musée à une boutique de bric-à-brac. Au même moment, le musicologue Castil-Blaz s'en donne à cœur joie pour moquer les idoles américaines comparées à la perfection grecque. Il imagine la visite de Mexicains au musée du Louvre à Paris. Conduisez-les au Louvre, au musée mexicain. Vous les verrez en extase devant les figurines effroyables curieusement assemblées, postées sur des tablettes. Ces Aztèques verseront des larmes de joie et de bonheur en retrouvant les chefs-d'œuvre de leur nation, les images qui les charmaient, qu'ils ont admirées dès l'âge le plus tendre. Ces neveux de Moctezuma feront à leur tour de pompeux dithyrambes en l'honneur de tous ces monstres grimaçants. Fille de l'Apollon, fille de la Diane, véritable navet ratissé, figure sans expression vigoureusement accentuée. Fille de la Vénus de Milo, plaisante Vénus, manchotte doublement, et les nôtres ont quatre bras. Voilà ce qu'ils diront les visiteurs aztèques.
Fortuné pays où les musées se multiplient, heureuse capitale, séjour de plaisir et d'études, où l'on peut en un instant comparer les dieux en marbre de la Grèce aux idoles informes du Mexique. Conformément à ce point de vue majoritaire, la direction des musées nationaux tente très tôt d'escamoter cette collection, qu'elle déplace à 4 reprises dans des espaces marginaux du Louvre. Ainsi, en dépit de l'opposition de Lomperrier, le musée américain déménage dès 1861 de la salle du rez-de-chaussée dans un couloir du second étage, avant de redescendre un court moment au premier étage et enfin d'être transféré dans un vestibule, un simple vestibule où le public ne pouvait plus du tout la voir. Pendant une 30aine d'années, le musée demeure de facto fermé la plupart du temps. Le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts décide officiellement en 1887 de déménager les 1432 pièces du musée américain au musée ethnographie du Trocadéro. En dehors du Louvre, les antiquités américaines n'ont pas davantage conquis les amateurs. Les salles de vente aux enchères consacrent très peu de ventes à l'archéologie précolombienne entre 1850 et 1870. L'historienne de l'art Léa Saint-Raymond a ainsi identifié une seule vente de 9 antiquités américaines, des gourdes et des vases, des environs de Cusco, au cours de la vente à Drouot en 1868 des biens du prince Napoléon Jérôme Bonaparte, cousin de Napoléon III. Il faut dire que les États américains commencent à organiser la protection de leur patrimoine, notamment au moment de la seconde expédition française au Mexique, entre 1861 et 1867. Cette intervention militaire a plusieurs objectifs. Elle doit, bien sûr, couronner Maximilien de Habsbourg, empereur du Mexique. Il s'agit aussi d'étendre l'influence de la France en Amérique centrale face à l'expansion états-unienne. Il faut sécuriser également l'approvisionnement en minerais précieux dans le nord-ouest du Mexique. Et puis, accessoirement, cette expédition permet d'enrichir les collections d'antiquités américaines du Louvre. Pour ce faire, Napoléon III crée fin février 1864 une commission scientifique du Mexique qui doit évaluer et sélectionner les œuvres. Siège dans sa section archéologique tout le gratin de l'américanisme naissant. Aubin, Brasseur du Bourbourg, mais aussi Viollet-le-Duc et bien sûr Lomperrier. La commission voit affluer de nombreuses pièces archéologiques qu'elle refuse comme étant des faux. Il faut dire que les militaires et les savants français tentent de rapporter un maximum de pièces archéologiques, conduisant le gouvernement mexicain à promulguer début 1865 un décret prohibant l'exportation d'antiquités. Face à cette nouvelle interdiction, le diplomate français Charles de Montholon sollicite un entretien auprès de José Fernando Ramírez, le ministre des Affaires étrangères du Mexique, pour le convaincre d'accorder une autorisation aux fouilles et aux acquisitions françaises. Il s'adresse à lui en ces termes. « J'espère, monsieur le ministre, que vous n'aurez pas la barbarie d'empêcher les fouilles des monuments que vous n'étudierez jamais. » J'espère que vous n'aurez pas la barbarie d'empêcher l'exportation pour nos musées et notre empereur de ces monuments, cet empereur qui vous rend de si grands services, des antiquités d'ailleurs que vous avez déjà en double. Ramírez répond : Changez le verbe et dites que je n'aurai pas la barbarie de permettre ces fouilles et cette collaboration. C'est un jeune homme de 19 ans, participant à cette expédition militaire au Mexique en 1861, qui conçoit 12 ans plus tard le projet d'un musée indochinois au Louvre. Au printemps 1873, ce jeune homme, qui a désormais une 30aine d'années tout de même, Louis de Laporte, officier de marine, adresse au gouvernement cette note que vous voyez à l'écran, note relative aux ruines khmères du Cambodge, dans laquelle il propose, je cite, de rapporter au musée du Louvre une collection de statues, bas-reliefs, animaux vrais et fantastiques, colonnes, piliers, sculptures d'ornementation de toutes sortes, entièrement nouvelles
et de la plus grande valeur artistique et archéologique. Le Louvre s'impose alors comme la meilleure solution, car l'exposition permanente des colonies au Palais de l'Industrie n'accueille que des expositions temporaires, tandis qu'Émile Guimet n'ouvrira son propre musée à Lyon que quelques années plus tard, en 1879. Le Louvre accueillerait ainsi la première collection d'art khmer hors du Cambodge. Selon Delaporte, ce nouveau musée indochinois attirerait vivement l'attention des savants et des artistes sur un grand peuple qui a disparu sans que nous l'ayons connu et sur de merveilleuses œuvres artistiques dont il faut se hâter d'étudier et de recueillir les plus beaux restes avant qu'une végétation que rien ne saurait arrêter n'ait achevé de le détruire. Cette collection sauverait donc un patrimoine en péril, tout en valorisant les antiquités d'une nouvelle partie de l'empire colonial français, le Cambodge, protectorat de la France depuis 1863. À l'origine, cette expédition ne comportait pas de dimension artistique et archéologique. Il s'agissait d'explorer le cours du fleuve Songkhoï et la région convoitée du Tonkin dans le nord du Vietnam. Lorsque Delaporte apprend qu'il sera envoyé en juillet 1873 en Cochinchine et qu'il ne pourra accéder au Tonkin qu'en novembre suivant, il décide d'occuper les longs mois estivaux de Mousson en se consacrant à cette mission archéologique. Delaporte a une idée de génie pour constituer toute une collection de sculptures à peu de frais. Il compte acquérir à titre gracieux ces pièces en contrepartie de présents offerts au roi du Cambodge et à ses mandarins. Il convainc sans mal Jules Simon, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de lui offrir des gravures et des moulages de chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture occidentale à offrir comme présent diplomatique au souverain khmer. Ainsi, dans l'esprit des autorités françaises, il s'agit bien d'échanger des copies d'œuvres européennes contre des sculptures khmer originales. Il s'agit en partie d'œuvres provenant du Louvre, où le graveur maçon réalise les copies suivantes, la forge de Louis le Nain, le militaire et le petit tambour de Giuseppe Angeli, ou encore le portrait de Titus par Rembrandt. Delaporte y ajoute des moulages de sculptures du Louvre que vous pouvez voir à l'écran. Léda et le cygne de Jean Thierry, Zéphyr en levant Psyché d'Henri-Joseph Rutschel, et la Vénus accroupie d'Antoine Coisevaux. Alors j'ignore si ce choix des œuvres, qui est étonnant du point de vue de l'histoire du goût, a été directement effectué par Louis Delaporte, et s'il correspondait à l'idée que l'explorateur se faisait du goût des élites cambodgiennes. Il n'en reste pas moins que doté de l'ensemble de ces copies, de ces moulages, l'expédition atteint la péninsule indochinoise en juillet 1873 et l'exploration des sites archéologiques mers se poursuit jusqu'au milieu du mois d'octobre. Delaporte sélectionne les morceaux de sculpture et d'architecture. Ses compagnons exécutent des moulages et des estampages. Cette mission archéologique demeure secrète tout au long de son déroulement pour des raisons diplomatiques évidentes. Le site d'Angkor se trouve alors sous contrôle du gouvernement siamois et il faut aussi éviter de donner la même idée aux rivaux britanniques. Delaporte parvient à échapper au contrôle des siamois en distribuant des cadeaux au gouverneur khmer de la province de Siem Reap et à ses mandarins. Il peut ainsi prélever un extraordinaire butin artistique. Une portion de fronton représentant des danseuses, un entablement de porte très orné, un fragment de pilastre représentant deux femmes en bas-relief, deux belles têtes de Bouddha, des petits fragments de fronton sculptés, un dragon à cinq têtes. Au cours du transport entre le site d'Angkor et le lac de Tonlé Sap, plusieurs pièces de grande valeur sont perdues. Ainsi coule dans le lac la pirogue avec le grand lion dressé sur ses pattes arrière, ainsi que la barque transportant les neuf têtes du dragon, un des chefs-d'œuvre provenant du temple Préakan, datant du XIIe siècle. Cette précieuse cargaison quitte l'Indochine début décembre 1873 et s'ensuivent une série d'atermoiements décrits avec une grande précision par la chercheuse Julie Philippe, qui a consacré sa thèse à Louis Delaporte.
Alors que les caisses de sculpture ne sont pas encore arrivées à Paris, les différentes administrations se renvoient la balle pour financer le transfert de Toulon à Paris. Pour le ministère de l'Instruction publique, c'est le musée du Louvre qui est censé y pourvoir, tandis que selon la direction du Louvre, le transfert doit être pris en charge par le ministre de la Marine, lequel refuse de financer une opération qui est effectuée pour le compte des Beaux-Arts. Pendant ce temps, fin janvier 1874, les 102 caisses sont enfin livrées dans une cour du Louvre. Mais le musée ne souhaite toujours pas régler la facture du transfert de 5038 francs et 90 centimes. Plusieurs raisons très sérieuses motivent ce refus. Il s'agit d'abord, dans l'esprit des conservateurs, de ne pas créer un précédent, car le musée n'a pas pour habitude de payer le transport des œuvres. La direction du Louvre ne souhaite pas non plus être tenue pour responsable de l'état des pièces rassemblées dans ses caisses, dont elle ignore le contenu. En outre, les conservateurs ne disposent pas à ce moment-là des compétences pour expertiser la valeur de ces pièces archéologiques. En effet, les informations concernant les matériaux, les périodes de réalisation et même les sujets représentés font totalement défaut. Au terme d'une première expertise, le secrétaire général des musées nationaux affirme donc que le classement des pièces s'avère impossible. Il ajoute que les salles trop étroites du Louvre ne peuvent accueillir ces nombreux fragments d'architecture. Le conservatoire des musées nationaux refuse en conséquence d'intégrer les antiquités khmères dans les collections du Louvre. Les principaux promoteurs de l'Akhmer n'ont pas été en mesure de plaider sa cause directement à Paris. En effet, le naturaliste Henri Mouhot, redécouvreur d'Angkor en 1860, qui fut un des premiers à vanter le génie artistique de ces Michel-Ange de l'Orient, plus grandiose que tout l'art des Grecs et des Romains. Henri Mouhot est décédé au Laos en 1861. Louis de Laporte est gravement malade et ne peut promouvoir personnellement son projet musée des antiquités khmères directement auprès de la direction du musée du Louvre. Enfin, l'audacieux Lomperrier a malheureusement quitté le Louvre une dizaine d'années auparavant. Pendant les 4 mois où ces 102 caisses sont empilées dans une cour du Louvre, la direction des Beaux-Arts du ministère de l'Instruction publique essaie de leur trouver un destinataire. Pour débarrasser le Louvre, fin février 1874, le ministère de la Marine donne l'autorisation à Louis de Laporte de présenter de façon temporaire ses pièces archéologiques au sein de l'exposition permanente des colonies. Puis le directeur des Beaux-Arts décide fin mars d'installer ses œuvres dans un espace vide, accessible de Paris en chemin de fer, le palais de Compiègne. Il propose d'y ajouter une autre collection refusée par le Louvre, les moulages réalisés au Mexique entre 1864 et 1866 par Léon Méhédin, ancien membre de la commission scientifique de l'expédition française. C'est à ce moment qu'émerge l'idée d'un grand musée barbare qui accueillerait les arts extra-européens. En juillet 1874, les antiquités khmères commencent à être installées à Compiègne, comme vous pouvez le voir à l'image, mais c'est leur présentation à l'exposition universelle de 1878 qui les fait véritablement connaître au grand public. En 1884, des locaux du palais du Trocadéro sont affectés au nouveau musée d'art khmer, mais les travaux se perpétueront jusqu'en 1900. Louis de Laporte consacrera les années qui suivent son échec au Louvre à faire reconnaître la haute valeur artistique de ses pièces archéologiques. Il écrit en 1880 « L'art khmer, issu du mélange de l'Inde et de la Chine, épuré, anobli par des artistes qu'on pourrait appeler les Athéniens de l'Extrême-Orient, est resté en effet comme la plus belle expression du génie humain dans cette vaste partie de l'Asie qui s'étend de l'Indus au Pacifique. » Il s'écarte, il est vrai, de ces grandes œuvres classiques du bassin de la Méditerranée qui, pendant longtemps, ont seules captivé notre admiration. Ce ne sont plus ces colonnades majestueuses, ces grandes surfaces calmes de la Grèce ou de l'Égypte. Ce sont au contraire des formes laborieuses, complexes, tourmentées. Superpositions, retraits multiples, labyrinthes, galeries basses à jour, tours dentelées, pyramides à étages et à flèches innombrables.
une profusion extrême d'ornements et de sculptures, des effets constants de clair et de sombre qui enrichissent les ensembles sans en altérer la majesté, et s'harmonisent merveilleusement avec la lumière intense et la végétation luxuriante des régions tropicales. C'est, en un mot, une autre forme du beau. Au total, ces musées archéologiques du Louvre témoignent à la fois de l'expansion politico-militaire de la France et de son projet intellectuel d'élucidation de l'histoire des civilisations non européennes. Mais il ne s'agit pas d'une stratégie globale théorisée par le gouvernement français ou par la direction des musées nationaux. Dans ce processus, les hommes sur le terrain ultramarin, de la Mare en Algérie, la Tour à l'Art au Mexique, de la Porte au Cambodge, jouent à chaque fois un rôle décisif dans la constitution de ces collections. Ces initiatives rencontrent parfois la curiosité de conservateurs du Louvre, tels Adrien de Lomperrier, qui tentent de développer au sein du musée un programme de recherche encyclopédique et comparative. Toutefois, tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, le fossé se creuse entre œuvres et artefacts, entre beaux-arts et ethnographie, entre l'Europe et le reste du monde. Ce grand partage n'est pas définitif. L'expérience de ces musées disparus a sans doute travaillé le Louvre de manière souterraine tout au long du XXe siècle, jusqu'à ce que certaines sculptures aztèques du musée mexicain reviennent peupler le Louvre en l'an 2000 au sein du pavillon des sessions. Nous verrons demain que cette mission civilisatrice et classificatrice du Louvre ne s'est pas limitée au domaine de l'archéologie maghrébine, américaine et cambodgienne. Elle a aussi trouvé son expression dans le domaine de la peinture européenne avec le musée espagnol du Louvre. Je vous remercie de votre attention.